venons de poser la première pierre, je devrais dire le premier Lego, du 101e collège de l'Essonne, qui est aussi le 4e collège de Massy. Et c'est un beau moment. Nous sommes dans le quartier de Ville-Génis, à la limite de Massy et d'Igny. Et ce collège, qui accueillera d'ailleurs des Massicois, des Ignissois et des Palaisiens, ouvrira en septembre 2024. C'est toujours un moment agréable de poser une première pierre, mais aujourd'hui j'ai rencontré une communauté éducative, des élus de Massy, des parents d'élèves, des futurs élèves. Massy a considérablement évolué ces dernières années avec la création de nouveaux quartiers parfaitement intégrés autour de la gare. Il y avait le centre de formation des apprentis d'Air France qui était là et on a récupérer le terrain recyclé, toujours des logiques d'économie, de foncier, de logique écologique. Et puis une partie aussi géographique qui est que ce collège correspondait à un besoin, comme je l'ai dit, de Palaiso, d'Igny et de Massy, et il est à la frontière des trois communes. Ce collège avait pour ambition de valoriser le cadre exceptionnel de ce site extrêmement arboré. On avait la volonté évidemment d'offrir des espaces de très grande qualité aux enfants, aux élèves, et aussi d'intégrer une dimension environnementale qui est aujourd'hui évidemment indispensable dans le cadre de l'évolution de nos sociétés. On a un défi formidable de construire ce bâtiment dans les délais évidemment, mais au-delà de cette construction, de faire en sorte que ce soit un lieu de vie et d'apprentissage pour des générations de Massicois.